Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nantucket. Bon, dernier épisode, c'était vraiment pas fameux, hein, je suis d'accord avec vous. D'être mort genre trois fois pendant l'épisode, c'était un peu le scandale. Bon, en tout cas, on est arrivé à Honolulu. Donc l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir embaucher un nouveau mec. Donc du coup, c'était lui qui était mort la dernière fois. On a quoi? On a 16 de prestige et on a pas mal de marge. Donc on peut peut-être s'embaucher un mec qui a pas mal de... va y avoir plus 10% en sailing speed, plus 50% en field of view. Quoi qu'il a comme compétence, lui. Balanced rationing. D'accord, ça diminue la quantité de boue. Écoute, alors, ouais, je voudrais juste voir sur les traits, qu'est-ce qu'il a. Manœuvre d'évasion et équilibre parfait. Après, l'avantage, c'est qu'avec des mecs d'un niveau un peu plus faible, ça va pas trop me coûter. On prend juste un mec à 2. 3% de lay, alors que lui, il est à 4%. Après, bon. L'XP, c'est pas mal aussi. Juste voir leur dice roll. Ouais, ils ont vraiment des dice roll de base... Évasive. Évasive manœuvre. Ça peut enlever une carte ennemie. Pas dégueu quand même. Et après, on a quoi ici? Ça augmente la vitesse. Ça, c'est pas mal aussi. Il est vraiment au max. En termes de vitesse de sailing. Ouais, il y a quoi comme trait? Waouh, moins 100% de morale. Ça, c'est pas génial. Bon, mon prestige, faut quand même que j'en garde un peu. Donc, je pense qu'on va, rester sur quelqu'un d'un niveau assez basique. Et on lui donnera des compétences plus tard. L'avantage, c'est qu'en plus, avec ça, il aura plus 10% de vitesse. Donc, on va prendre ça. Si on regarde le newspaper, apparemment, il y a une guerre d'indépendance des Grecs contre les Ottomans. Donc, trouver la destinée du Virginia. Ça a l'air d'être assez loin. Et sinon, là, j'ai pas les requirements pour le faire. Après, en termes de ressources, on est à 400 jours ici, 180... Ouais, faut quand même qu'on achète un petit peu un petit peu d'eau, ok. Et après, un truc qu'on peut faire du coup, c'est commencer à faire un petit peu de recherche. Donc si on regarde, ça c'est nos bateaux de base. Si on veut le bateau suivant, il va nous falloir le niveau 2 là-dedans, 1 et 1. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, rechercher le niveau 2 ici. Ça va augmenter notre cargo space. D'accord, le niveau de technologie n'est pas perdu quand on achète un nouveau bateau. Ça prend 90 jours. Alors la question c'est, ok, je peux pas rechercher d'autres trucs pendant ce temps-là. On est obligé de rester là-dessus. Ok. Alors ça aurait été pas mal peut-être de commencer dès le début de la partie. Bon, alors on est à quel jour? Je pense qu'on pourrait retourner chasser un petit peu des baleines bleues et en profiter pour revenir à Honolulu derrière. J'apprends à être un expert baleinier petit à petit. Alors non, les Blue Whales c'est jusqu'au 19 mars et on est le 19 mars. Donc du coup, à moins de se mettre à chercher en partant un petit peu vers le nord. À moins de décider de retrouver qu'est-ce qui s'est passé pour un des... C'est quoi ça? Ah, il y a une quête. Alors... Simon Metcalf, il y a écrit sur une plaque. D'accord. Vous ne connaissez pas Simon Metcalf? C'était un important conseiller militaire du roi Kamehameha Ier. Metcalf était tellement aimé par le roi qu'il lui a donné la lance de son père. Et Kaikili l'a utilisé pour vaincre les autres. Ah oui, non, mais c'est vraiment l'histoire en plus d'Hawaï. Alors, où se trouve du coup la truc? Voyons voir. Kaikili. Mais Kaikili, c'est quelqu'un de chez moi. Ah oui. Non? Eh oui. D'accord. Voyons voir, c'est où? Oh putain, c'est loin. D'accord. Bon, moi j'espère que c'est pas pressé parce que c'est pas pour tout de suite que je vais le faire. Je vais juste revoir. Non. Faire un saut ici. Et oh. Arbor et juste voir sur le job, je pense qu'on va prendre ça, repartir comme ça, ça nous fait toujours une quête à suivre. Et sur la route on retombe sur des baleines qui sont en transit, on verra de les chasser, sinon il va me falloir trouver une nouvelle zone de pêche quoi. Ok, c'est bien ce que je pensais et il nous fait remonter jusque là-haut, d'accord. On va... À 109 jours, normalement on a ce qu'il faut. Hein. On est à 400 jours ici, 200 jours, 180, ouais, donc on a ce qu'il faut.
Ah, bah je pense qu'on a trouvé le bateau. Donc 10% de chance qu'un mec crève. On va le tenter. Non, on va rien trouver. Et je pense que c'est bon du coup pour notre quête. Ouais. Alors. Ouais, on va lui faire perdre du moral à ce monsieur. On va retourner à Honolulu pour finir notre quête, voir s'il n'y en a pas une nouvelle qui nous serait donnée. Oh putain, on va à 2 à l'heure. Hop. Allez. Alors, est-ce que c'était ici? Ouais. Superbe. Et du coup, nouvelle zone à 49 jours à peine. Donc, c'est pas très loin. On repart. On n'a pas besoin, je pense, de refaire le plein. On va voir où est-ce qu'elle est. New Whaling Area. Ok, c'est parti. J'espère qu'on va arriver dans la bonne période de l'année surtout. Et on va attendre. Bon, encore. Ah, on en a trouvé une. C'est parti. On va la chasser nous-mêmes à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça nous dit pas ce qu'on a malheureusement. Alors, Noto, une Jerry, Kaiwi et moi-même. Ok. Donc c'est une baleine bleue, d'accord. Lobtail, moins 3. On va voir. On peut faire ça. Du coup, il prend 8. Il est bloqué et il est en plus en train de saigner. Donc à mon avis, il va peut-être mourir au prochain coup. Alors moi, je suis stunned. Et là, il est mort. Allez, on fait le plein. On a 55 sur 64. Ça, c'est pas très cool. Alors du coup, on a une zone, effectivement, là, qu'on peut peut-être suivre. Mais avant, j'aimerais juste voir un truc, c'est que moi, il faut que j'aille en Sick Bay, du coup. Ça serait bien que ça le fasse en automatique. Voilà, comme ça, lui, en plus, il a plus 10% en vitesse de sailing, donc c'est encore mieux. Et ça, ça répare, et on a 20% de field of view avec... Ah, alors ouais, on devait plus être dans la zone. Et par contre, oui, on l'avait retrouvé, l'autre, là. Ah ouais, il fallait que je reparte par ici. Donc jusqu'au 19 avril et du 20 novembre au 20 décembre. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est venir là, suivre et jusqu'ici quoi. Ah, on a pris un niveau. On peut pas augmenter nos HP. On peut changer par contre de trait ici. Ah, je peux débloquer des nouveaux traits en fait. D'accord. Je sais pas si on peut débloquer plusieurs points. Donc peut-être que si je garde juste... Je pense qu'on va monter à un niveau de plus en classe. Allez, j'aimerais quand même peut-être me débloquer un truc. Donc, harponnier, on en a déjà un normalement. Ouais, je pense qu'on va prendre Survivor. Si je la signe, je monte à 25. Si je reste là, je reste à 19. Je pense qu'on va augmenter nos points de vie parce qu'on a pu voir que c'était pas génialissime. Alors, ouais. Il y en a un qui va devenir drôle. On a quoi? Bon, on a 41 de morale. On a combien de prestige actuellement? 19. Et on arrive à 25. Ça permettra d'augmenter un petit peu plus. Moi, je peux rien te... Bon, c'est 5 de morale, malheureusement. Juste pour voir, Jerry... Ah, il a bientôt le niveau 3, cool. Ouais, toi, je vais t'apprendre à open-minded. Ah bah tiens, c'est Jerry encore. Cool. Alors, ah oui, il y a des risques de... Ouais. Allez, on trouve une baleine. Qu'est-ce qu'on a comme type de baleine par ici? On a deux sperm whales. On dirait des cachalots. Ah, c'est des cachalots, je crois. Donc, ils ont que 8 PV. Voyons voir. Bah, je peux en tuer un direct. Nickel. Par contre, je vais prendre un peu de dégâts. Oula. Overboard. Je sais pas quand est-ce qu'il peut remonter à bord, du coup. Voyons voir. Ah yes! Bon. On va tuer l'autre. Sublime. 200 XP. Pas mal. Oui, non, il y a plusieurs skills qu'on peut avoir, effectivement. Donc 20. Nickel. Ah bah, je suis au max. Bon, bah, dans ce cas-là, on va devoir faire un petit peu de place.
On va enlever la nourriture, on en a trop. On fasse de la place pour le reste. Et après, cette zone-là, c'est quoi? Jusqu'au 21 septembre. Alors, on est en mai, d'accord. On peut peut-être faire un saut ici, histoire de revendre tout ce qu'on a là. Et on est à bloc. Passe. Mais non, j'aimerais bien éviter quand même les icebergs. Ça serait dommage d'avoir un événement iceberg. Ok, donc ça, il faut que... faut qu'on tourne à Honolulu. Alors, il y a deux de nos hommes qui sont dans une situation sexuellement explicite. Ils ne me remarquent pas. Je vais faire un peu de bruit pour qu'ils voient que je suis là. Je ne supporte pas ce genre de comportement. Ou alors, est-ce que moi, on va tous devenir des sodomites et avoir la syphilis? Ça me paraît être une excellente idée, tiens. Ou alors, je m'en vais. Et ils vont avoir la syphilis. Je pense que, ouais, je vais juste leur faire perdre un de morale. On est bon en morale, hein, on est large. Ouais, surtout Jerry qui a 88. Bon. On a plusieurs traits, je crois, tous les deux, c'est ça? Ouais, plus 20 parce qu'on a le même trait. Dernier combat, des événements, tout ça. Ah, nickel. Et il a effectivement gagné son niveau, ce monsieur. Allez, on va rentrer. Voilà, 612 pour moi. Superbe. Donc, on est à quoi? 329. On va refaire encore un peu le plein quand même là-dessus. On va vendre un petit peu par contre de nourriture. Parce que... oh. Et à racheter un petit peu de bois. Ok. Attends, c'est du 3 étoiles qu'il y a ici. Oh, il y a du monde. Oh, ça monte jusqu'au niveau 10. Hein. Ok. Pas de papier malheureusement. Dommage. Il faut surtout qu'on fasse gaffe à l'eau parce qu'en fait, dès qu'on chasse de la baleine, on récupère de la bouffe. Alors si on regarde ici, on est du 21 juin. Ah bah ouais, c'est juste maintenant que ça a commencé. Donc on pourrait aller là. Ici on est à décembre à mars. Ou ici on est à 20 mars, on est en juin. Ou alors novembre. Ben on peut faire ça jusqu'en quoi? Jusqu'en septembre. Est-ce qu'on va avoir assez? Presque envie de vous dire que j'ai presque... quoi ça? Ah! J'ai fini ma recherche à Honolulu. Ah mais en même temps j'aimerais bien aller chasser un petit peu. On va faire un saut par là-bas. On va essayer de chasser un petit peu quelques cachalots supplémentaires. Vérifie que tout le monde a un max de points de vie, c'est bon. On a de la marche quand même. Ok. Allez. Assignement automatique. Donc il n'y en a qu'une seule, donc on devrait pouvoir l'affronter. Elle est stun en plus, nickel. Et elle est morte. Suivante. On a de la marge. Nickel. On peut reprendre. Allez, c'est reparti. Si on peut en chasser un maximum comme ça, ce sera parfait. Ok, il n'y en a qu'une à nouveau. Nickel. Yes. Voilà. Suivante. C'est le massacre. C'est un peu le principe. Je prends la nourriture, mais je pense qu'on va, on la virera une fois que... on est à quoi? Septembre 21, on est seulement en juillet, donc on a largement le temps. Il me faudrait vraiment un plus gros bateau, quoi. Ah, combien de thunes actuellement? 1600. Allez, allons chasser à nouveau. Ok, il y en a à nouveau qu'une seule. Donc, c'est parti, roll, nickel. C'est bon. Je pense qu'on va avoir fait le plein là. Là on est à 64, voilà c'est ça. Donc on va... on va voir, j'ai 4... 4 dogs, on va voir. 750 en valeur. Je me pose la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup de... parce qu'il nous reste que 71 jours de grog malheureusement, c'est pas beaucoup ça. On devrait pas être très content. Alors, on va voir ça nous dit quoi. Ouais, il y a un malus de morale si jamais on en a plus.
Dans la bouffe, on est large. Par contre, ici, on est à 150. Juste par curiosité, on a combien de temps si on veut retourner à Honolulu? 48 jours. Pour 71 jours. On peut peut-être essayer d'en chasser une autre. Non. Voilà, c'est la dernière. On enlèvera de la bouffe parce que la graisse, ça rapporte plus. Ah zut! Bon, va falloir soigner Jerry. Merde, ah oui, il est tombé à l'eau en plus, donc ça. J'espère que nous on va arriver à le couper. Yes. Bon, faut soigner Jerry. Alors, on va laisser de la place. Voilà, 102 jours, parfait. Ok, nickel. Donc du coup, on va soigner Jerry. Et on va rentrer à Honolulu. On pourra lancer une nouvelle recherche. Non, on s'en va. On en chassera une autre. Une autre fois. Alors, sa sœur lui a écrit, elle va bientôt se marier, je devrais aller à son mariage. Ouais. Nouvelle quête, c'est de Kaiwi et c'est sur la direction en plus où on va, donc parfait. Alors l'avantage c'est qu'on est en août et on va avoir bientôt l'immigration je pense. Non, c'est en novembre. Alors, on a un peu le temps du coup. Il y en a un qui est content, il fait un toast en notre faveur. Donc on va gagner un peu de prestige ou alors tout l'équipage va prendre du moral. Alors au niveau moral on est bon, donc on va prendre le prestige. On est à quoi? On est à 25 de prestige, parfait. Alors quelqu'un vient de toquer à ma porte. C'est le chasseur Jerry. Qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte. Notre homme est derrière la porte. Il tient son chapeau entre ses mains. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai des informations pour vous. C'est à propos du Rachel. Est-ce que c'était le vaisseau qui vous a sauvé après que le P-code a été coulé? Oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, ça s'est produit lors de notre dernier arrêt sur la terre ferme. Nous étions à l'auberge et on a picolé avec d'autres marins. Il essaie de se souvenir des mots. Le Rachel est perdu apparemment. Elle a quitté Nantucket, est allée vers Honolulu pour livrer des trucs, mais elle n'y est jamais arrivée. Non, j'ai pas besoin d'autant de morale, on va donner juste plus de morale à tout le monde. Donc du coup, on doit essayer de retrouver sur toute cette ligne. Alors, voyons voir. On va peut-être essayer de rejoindre comme ça et remonter jusqu'à Honolulu, ça sera déjà ça de pris. Après, ça nous fait du coup, je crois qu'on a, on a plusieurs quêtes dans cette direction. On va remonter jusqu'ici. Mais il nous reste là 28 jours, ouais. Ça va être un petit peu juste. Alors je peux peut-être en regagner. Je vais devenir Tito Anal, moi. Allez, qu'est-ce que ça fait? On fait des traits. Et que je bois à moins 100%, d'accord, j'arrête d'en consommer en fait. On est encore plus qu'à 31 jours. Il ouais, y en a un qui est en train de devenir glouton encore. Non, tu arrêtes tout de suite. Ah oui. Bruno, Kaiwi n'est plus qu'à 10 pas. Pourquoi il y a la petite flèche par contre? Ah, ça va être un peu juste parce qu'on n'est plus qu'à 0,3, il nous reste 15 jours. Hop, on va donner le trait drôle. Ah, Find the Rachel, c'est la quête principale en fait. Ah bon, alors ça c'est pour le truc du mariage. Allons-y. Alors on a attendu pendant des heures et qu'est-ce qui se passe? Alors on a suivi les instructions d'un villageois, on est allé à la maison de la sœur. Vous ne vous attendiez pas à autant de luxe. Mon beau-frère est un marchand très riche. Nous voudrions vous repayer la faveur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Manque d'argent, plus de prestige.
des barrels de n'importe quoi ou alors juste Grateful. Grateful c'était pas permanent il me semble. Hein. Alors si Grateful c'était permanent. Peut-être pas mal de lui donner ça. Il sera content qu'à lui. On va vraiment faire deux qui seront contents. Du coup on va revenir jusque à Honolulu parce qu'il faut absolument qu'on achète de la bière. Parti. Et il faut qu'on vende. Yeah, 1187 comme ça. Superbe. Donc du coup, pas réellement l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment le même là. Ouais, c'est exactement le même. Là, il est à 3400 par contre. Bah effectivement, un tout petit peu plus vite. Un Berndas Loop. Un peu plus de PV, un tout petit... Ah, un peu plus de cargo, ça c'est plus intéressant. Et on a déjà le requirement pour pouvoir l'acheter. Sauf que c'est 3400, chose que je n'ai pas. Après on aurait celui-là, sinon... Ceux-là sont plus... encore plus rapides en fait. D'accord. Après si on veut passer à la taille supérieure, là par contre on a égal, mais tout le reste est beaucoup plus grand. Mais là on n'a pas du tout les bonnes technologies. Celui-là serait pas mal en fait parce qu'il est à 88, 3400. C'est un sujet calqué Tryworks. D'accord, ça permet de transformer la graisse en huile. À mon avis, l'huile ça doit prendre moins de place, ça doit valoir plus cher. Et j'ai pas. Ouais, j'ai personne qui a le Trywork. Je crois que j'embauche quelqu'un. Après, si on regarde les jobs, on peut récupérer du coup notre reward. Kill Sao Tomé Cécile. C'est une créature. Oh. Votre niveau 9, c'est pas encore pour tout de suite. Par contre, du coup, voilà, il va me falloir un petit peu de grog. Et ouais, il me faut un petit peu de nourriture aussi. De l'eau. Faire le plein d'un peu de tout. Bon, du coup, va falloir que... Bah oui, il faudrait que j'envoie une recherche tant qu'à faire. Alors... Là, je peux les rechercher. Le harpon, ça augmente les dégâts. On est à 6, ça passe à 8. Ça, ça augmente pas mal le field of view. Augmenter la zone de cargo, ça peut être sympa aussi. Mais augmenter le field of view, ça me paraît être une bonne idée. Donc, on va lancer ça. Et ensuite, ce sera tout pour le moment. Ouais, juste par curiosité. On regarde le... Deuxième bateau que je voudrais, c'est quoi? Max Crew, c'est toujours 3, d'accord. Avec un seul whalebot. Regarde pour les plus gros, on monte à combien? On monte à 3 whalebots, 10 d'équipage. Ça va être sympa. Honolulu est sympa comme zone, hein. Pas mal de choses ici. Bon, du coup, sur les jobs, on n'a rien de très intéressant pour nous. Donc, il va falloir qu'on reparte. Et... Je pense qu'on va partir et retourner à Nantucket parce que on va être en bonne période pour aller chasser dans cette zone là et sur la... Ah il y a des pirates par ici. Ah, ça me paraît être une bonne idée d'essayer d'aller à Imbituba peut-être en premier. Bon bref on verra. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce petit let's play. Salut à tous.